Bien, mesdames et messieurs, depuis la guerre, il n'y avait jamais eu de ministre des Affaires étrangères d'un pays ami invité au Conseil des ministres. Et le président de la République, le Premier ministre, moi-même, nous avons souhaité que Frank-Walter Steinmeier puisse venir participer avec nous à cette instance qui est la plus haute du pouvoir exécutif français. Je t'écoutais tout à l'heure parler de l'Ukraine, de la situation internationale, puisque nous avons échangé sur ce point. Et je dois dire que même pour nous qui sommes habitués à beaucoup de choses, entendre le ministre des Affaires étrangères allemand s'exprimer dans l'amitié et la fraternité, au sein du Conseil des ministres, à un moment où il y a de telles tensions en Europe, eh bien, je ne sais pas si tu as eu la même réaction que moi, mais moi, c'est une des choses très émouvantes que j'ai ressenties. Et donc, je suis très reconnaissant à Frank-Walter Steinmeier d'être là. Je me rendrai moi-même dans la visite retour en Allemagne. Nous travaillons ensemble, côte à côte, tous les jours. Mais cette visite et cette participation est le plus grand symbole d'amitié qui puisse exister entre l'Allemagne et la France. Lieber Laurent, ich darf nicht nur herzlichen Dank sagen. Cher Laurent, tout d'abord, je voudrais vraiment te remercier de cette invitation et t'assurer que cette journée passée à Paris a été pour moi aussi une journée extrêmement émouvante. Alors nous avons vraiment soigneusement vérifié au cours des 70 années qui se sont écoulées depuis la fin de la guerre mondiale, il n'y a jamais eu de ministre allemand des Affaires étrangères qui ont eu l'occasion de prendre la parole à un Conseil des ministres français. Et de discuter de la crise que nous traversons actuellement, des relations de voisinage. J'ai pu le faire avec toi, avec le président de la République, le Premier ministre. Mit dem Präsidenten der Republik, mit dem Premierminister, mit deinen Kolleginnen und Kollegen. Das war mir ein avec Anliegen tous les collègues du gouvernement français. Et je crois que ça a été vraiment un moment très important pour moi, un grand honneur. Ich kann mich gut erinnern. Am 17. Dezember vergangenen Jahres bin ich in mein Amt als Außenminister zurückgekehrt. Am 18. Dezember je me souviens très exactement donc que j'ai été nommé dans mes fonctions de ministre des Affaires étrangères le 17 décembre dernier et que le 18 décembre j'étais déjà ici à Paris pour retrouver Laurent Fabius et nous avons vraiment décidé d'agir ensemble et de montrer à quel point nous étions proches l'un de l'autre. Et je crois qu'au cours de ces jours, au cours de ces semaines et ces mois, nous avons réussi à montrer à quel point nos échanges étaient intenses. Nous avons fait des voyages ensemble, nous avons montré à préparer ensemble nos réactions à la situation de crise actuelle que nous traversons. Vor 14 Tagen haben wir gemeinsam, lieber Laurent, hier in Paris, erinnert an den Kriegsausbruch 1914, den Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Il y a deux semaines, j'étais déjà ici à Paris pour commémorer avec Laurent Fabius le début de la Grande Guerre. Et aujourd'hui, au cours de cette réunion du Conseil des ministres, nous sommes revenus sur ces moments-là et nous avons dit qu'en 1914, il aurait été évidemment absolument impensable d'envisager qu'un ministre des Affaires étrangères du pays voisin puisse participer à un Conseil des ministres et y exposer sa politique. 1914, en fait, c'est l'échec de la diplomatie, c'est le moment où les canons ont pris la parole. Les années des Krieges waren gezeichnet von Leiden und Opfern, viel zu vielen Toten. Aber in diesen Kriegsjahren hat die Artillerie der deutschen Wehrmacht damals auch die Kathedrale in Reims in Brand geschossen und zerstört wurde. Ein großer Teil der Kathedrale, vor allen Dingen. Et aussi, il faut se rappeler que pendant cette guerre, l'armée allemande a tiré sur la cathédrale de Reims, l'a détruite dans un incendie qui a tout ravagé, et en particulier les précieux vitraux de la cathédrale de Reims. En souvenir de cet événement et pour marquer à quel point les relations franco-allemandes ont évolué depuis, le gouvernement allemand a décidé d'offrir à la France, à la cathédrale de Reims, les six vitraux qui manquaient encore.
Ces vitraux sont faits, comme les précédents déjà, par l'artiste allemand de Düsseldorf, Imi Knöbel. C'était les derniers vitraux qui manquaient et ils seront installés prochainement et ce sera un symbole de ce que doit être l'avenir de la relation franco-allemande. Zum Schluss, ich darf mich ganz herzlich bedanken für die Einladung. Eh bien, hierher, pour finir, je voudrais remercier Laurent Fabius de son invitation. Nous allons nous revoir très bientôt, puisque nous nous retrouvons demain à Londres. Nous sommes en liaison constante avec Frank-Walter Steinmeier sur toute une série de questions, et en particulier, bien sûr, sur l'Ukraine. Je vous rappelle que nous étions ensemble à Kiev au mois de février, et nous avons, à l'époque, dans des conditions très difficiles, stoppé ce qui était le début d'une guerre civile à Kiev. Ensuite, les choses se sont développées autrement, mais nous restons en contact constant, à la fois la France et l'Allemagne, mais aussi la France, l'Allemagne, la Russie, l'Ukraine, les États-Unis, et nous agissons en permanence de concert. Et dans les jours qui viennent, à la fois pour le dialogue national qui doit exister, et par rapport à l'objectif de l'élection présidentielle ukrainienne, le 25 mai, nous agissons en permanence ensemble et nous allons continuer de le faire.